Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo, vous voyez que c'est pas du tout mon décor habituel. Là, il y a un trou dans le mur. Je suis dans mon salon qui n'a pas encore été travauté, on va dire. Aujourd'hui, je démarre une série calendrier de l'Avent. Donc ça va être la première vidéo de cette série. Vous verrez que j'ai changé mes cheveux et certaines vidéos du calendrier de l'Avent. J'ai encore mes extensions et tout. C'est parce que j'ai filmé quelques vidéos avant, parce que je voulais pas avoir une vidéo à filmer tous les jours et à monter absolument tout de suite pour le jour même ou le lendemain. Donc j'ai pris un peu d'avance. Voilà pourquoi vous voyez mes cheveux aujourd'hui rouges et peut-être demain ou après-demain ils seront de nouveau noirs. Tous les jours du calendrier de l'Avent, je vais ouvrir une case de ce coffret Wow. C'est pas Mom, hein, c'est Wow, puisqu'il est à l'envers. Voilà, Wow. C'est un coffret de chez Lush. Là vous voyez il manque du coup déjà pas mal de produits dedans, mais vous verrez au fur et à mesure ce que j'ai déjà ouvert. C'est un coffret de 31 cases parce que je vais faire des vlogs, des vidéos, ce sera pas forcément toujours des vlogs, jusqu'au 31 décembre. Moi je m'arrête pas au 25 parce que j'avais envie de me lancer un challenge pour voir si ça allait m'aider à me lancer sur YouTube. Donc dans cette première vidéo déjà je vais ouvrir le coffret. Je vais pas dire case 1, case 2, case 3 parce qu'il n'y a pas de numérotation ou c'est dans l'ordre qu'on veut. Et ensuite j'irai choisir un sapin de Noël et on va aussi le décorer en vidéo. Je ferai d'autres vidéos pour montrer un peu le salon avant après, je vais le décorer aussi mais pas dans la même vidéo, je veux pas que mes vidéos durent 30 ans. Bref, je vais m'arrêter de parler, j'ai jamais fait d'introduction aussi longue, je vais ouvrir le produit du coffret Wow. Et ensuite, je pense qu'on va se retrouver pour acheter un sapin, probablement dehors. Donc voilà, tout simplement. Vous verrez dans les autres vidéos, la plupart du temps, c'est mon chéri ou ma fille qui me dit quelle case ils veulent que je regarde. Ça, c'est le spoil. Dedans, il y a plein de choses que j'évite de regarder. C'est tout écrit les produits. Bref, il y a une autre vidéo où je l'ouvre. Je vais peut-être couper au montage, du coup, comme j'en parle dans cette vidéo-là. Mais peut-être que je vais quand même le laisser, je sais pas comment je vais faire en montage, on verra. Du coup, généralement, c'est mon chéri qui lit les spoils pour dire qu'est-ce que c'est exactement, que je puisse avoir la surprise. Et voyez, j'ai déjà ouvert pas mal de cases. Il y a des petites, je sais pas comment ça s'appelle, des vermicelles comme ça de polystyrène. C'est du polystyrène de maïs, donc vous pouvez mettre dans l'eau, ça se dissout assez bien. Sinon, dans la poubelle, attendez, je vous montre. On peut l'écraser et il devient vraiment tout petit le machin. C'est vraiment pas du vrai plastique, c'est du organique quoi du coup. Alors j'essaye de les enlever tous, moi je les mets au feu ou comme dit dans l'eau. Voilà, au compost aussi. Parce que je déteste en avoir partout dans la maison, on peut déjà voir ce que c'est. Je vais déjà me débarrasser de ce truc là. Je vais regarder le produit, je pense que ça doit être un savon. Parce que c'est assez compact et je sens de l'huile. C'est en forme de nounours. Ça sent le quelque chose qui se mange. Qu'est-ce que c'est, chérie? C'est le savon Polar Bear. Ouais. Pour des pâtes propres et douces, comptez sur cet ourson gourmand. Voilà, ils disent pas le parfum. Ils disent pas le parfum. Ils disent juste que c'est gourmand. Ça sent la pâte à sucre aux épices de Noël, je trouve. Genre tout ce qui est cannelle, clou de girofle. Tu veux sentir? Ouais, pâte d'amande. C'est ça. Mais il y a une odeur de cannelle de Noël un peu, si tu sens bien. Ouais, il y a un petit fond de cannelle, mais je trouve vraiment qu'il sent la pâte d'amande. Après, il était à côté du cinnamon roll aussi. Hein, c'est peut-être pour ça. Du coup, ça doit être le savon pour les mains. Et il est trop beau, il sent trop bon. Il y a une énorme quantité hein, pour un savon pour les mains. Je vais le poser là. Vous voyez, c'est plusieurs couches, mais je peux pas tout tirer. Donc, je vais essayer de l'ouvrir. Et puis, je vous montrerai si on voit pas trop les produits. J'ai réussi à ouvrir, c'est très dur à tirer, c'est mon chéri qui a le plateau dans les mains. Faut vraiment bien enlever parce qu'il y avait ça qui coinçait, c'est le support pour la ficelle ici. Il y a mon toutou qui vient de se prendre la ficelle. Rory, coucou. Coucou, t'es belle. Je comprends pas trop ce que je fais. Du coup, on peut apercevoir un peu des spoils, donc je vais pas forcément trop vous montrer. Mais pour l'instant, je suis trop fan du coffret, vous verrez dans les vidéos à venir. Je vais remettre le spoil et refermer pour la prochaine vidéo. Et nous, on va se retrouver à la vente de sapins.
Recoucou, on a trouvé le sapin, mais je sais pas comment il va être. Parce qu'on l'a vite fait vu là où il y avait les sapins. Mais la vendeuse était à nous coller au basque et tout, on n'a pas pu bien regarder. Donc je vais vous montrer ça. Hop. J'ai pas trouvé mon trépied, je vais chercher mon trépied et je vais vous montrer le sapin parce que là il est encore emballé et tout, hein. Il est dans son plastique et je vais le sortir du plastique pour déjà que les branches retombent. J'ai un peu peur que les branches soient remontées, donc on va les laisser descendre avant de le décorer ce sapin. Donc si je trouve mon trépied vous le verrez, sinon bah je le ferai avec mon chéri, là il est en train de chercher ma fille. On ne rigole pas. Quoi, ça fait un magnifique sting, j'ai le droit de rigoler. Non. Voilà, on a posé le sapin, il est à peu près droit. Bon, il n'est pas droit vis-à-vis de la pointe parce qu'elle est pas, elle est tordue, mais elle est droite vis-à-vis du pied. Il est vraiment droit. Là, il va retomber un peu, il sera plus joli. Là, vous voyez les branches, elles sont vers le haut. Il a l'air très vide là. Normalement, les branches sont plus basses. Donc, on va le laisser s'abaisser. Je vous remontrerai quand il sera baissé à peu près de manière normale. Puis, de toute façon, avec le poids des boules aussi, ça va tomber un peu. Hello, alors là on est le lendemain, là je suis en train de regarder pour mettre la guirlande comme ça, là, toute jaune, sans couleur. Donc je pense que je vais faire ça en premier parce que après ce sera plus simple pour mettre les boules. Donc il va falloir que j'enlève le nœud parce que comme vous voyez c'est compact. Elle vient de chez Action, on l'a déjà essayé, elle est super bien, donc j'espère que dans le sapin ça rendra bien. Voilà, le sapin a été décoré, je vous montre de haut en bas. Je trouve qu'il manque une guirlande en frou-frou, un peu comme ça là, comme ça. Mais en fait les nôtres qu'on a sont trop épaisses. Du coup on va peut-être aller voir un croquis pour en rajouter une ou deux. En attendant, le sapin il est comme ça. N'hésitez pas à me dire si vous aimez la déco ou pas. On peut compter les champignons, il y en a un là, un petit là. Il y en a un là, on peut les voir, c'est marrant. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la commenter et à la liker. À bientôt dans la prochaine. Au revoir.